Deuxième matin à la Vétive. Deux jours que je suis arrivé et j'ai déjà envie de partir. Je me réfugie dans ma chambre pour travailler et l'après-midi je m'échappe. Je fais des tours dans la campagne tout autour. Je ne croise personne ou presque personne. Ce jour-là, direction le village de Mago où j'étais passé pendant les premières vacances d'été après la naissance de Noémie. C'était en 1995. Quel souvenir me reste-t-il de ce lieu à 25 ans d'écart? Les sculptures de François Michaud, les rues du village, la forêt autour. Pour ces vacances, nous avions emprunté un fourgon aménagé. Et il me semble bien que toute notre vie tournait alors autour de Noémie, petit bébé de 9 mois. Nous vivions à son rythme. Je crois que sans que cela ne paraisse, elle nous apprenait à devenir parents. Je découvre ce lieu magique, je sais déjà que j'y reviendrai dans quelques jours avec Nathanaël Quarez pour filmer une de ses lectures. Troisième matin à la Vétive, je suis toujours là. Thank you.
celui-là. Je mange mon chapeau que je n'ai pas. Oh oui, les filles, sont là. Ça va? Ça va et toi? Bonjour, vous êtes du coin? Bonjour, non, pas du tout. Ah non, nous non plus. Ah, je suis de passage, c'est tout. Ah ouais, moi aussi. Ah, y a pas beaucoup d'eau, hein, regarde. Non, là, il y a... Il y a un mètre...